Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors si vous me suivez, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais décorer, installer mon sapin. Par rapport à l'année dernière, je vais devoir bouger quelques meubles parce qu'il y a des nouveaux éléments qu'il n'y avait pas l'année dernière, donc il y aura moins de place. Il y a pas mal de choses que je vais faire moi-même au niveau de la déco du sapin. C'est one shot, hein. C'est vraiment, mais vraiment pas sûr que ce soit joli, harmonieux. On va tester, on verra ça ensemble, je trouve que c'est plutôt cool. Autre chose, la vidéo, mes opinions impopulaires qu'on voit partout, 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 je me tâte. C'est vrai que vous me demandez, Caro, tu vas la faire. Au début, je trouvais ça génial, toujours, hein. Mais vu qu'il y en a tellement, 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 je sais pas. Parce que si je la tourne, et si je me suis bien avancée avec le sapin, je la tourne cet après-midi. Qui c'est qui a reçu deux paquets ce matin? C'est moi. Il y a marqué, c'est de la part d'Octoly, et je sais ce que c'est, et c'est cool. Ah bah oui, c'est le fond de teint Even Better Glow de chez Clinique, je ne l'ai jamais testé. Oh, il m'a l'air un peu foncé. Bon. De toute façon, je l'essaie et demain, bah, je vous montrerai, je vous en parlerai. Je crois que ça sera ce qu'il y a de mieux à faire. Et le deuxième, pareil, je testerai et je vous en parlerai. Je sais ce que c'est trop cool. Donc c'est Octoly hein, qui m'a envoyé tout ça gratuitement. Pour le test, oh là là. C'est la palette, la nouvelle palette Midnight Skies de chez Givenchy. Et les couleurs, avec les yeux bleus, ça va être trop... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'est très joli tout ça. Ouais, voilà. Oh, les couleurs, magnifiques. Bon, bah, je vous en parle dès que je l'aurai essayé, c'est-à-dire demain matin. Alors, j'ai décidé que j'allais mettre le sapin ici à la place de la lampe. Je pense que c'est ce qui sera mieux parce que... Regardez, donc la lampe, elle va aller ici, mais le fauteuil club... Je ne serai pas présentatrice météo, moi. Il faut que je décale. Non, par là. Voilà, plutôt. Et c'est ça qui va peut-être pas être terrible. Il y en a un qui ne va pas être content, c'est Jack. Il ne supporte pas, comme tous les chats. Hein. Il ne supporte pas quand on bouge les meubles, des ménages, ça les perturbe. Mais on va le faire quand même, hein. Ça, c'est ma superbe boîte où j'avais rangé toutes mes décorations Noël de l'année dernière. Il y a tout ça aussi. Faut que je vous montre un truc. J'étais en train de monter mes dernières décos de Noël. Et bah, il y a une guirlande qui est tombée, qui s'est positionnée. Je ne sais pas si vous voyez tout le filament. Du coup, j'ai voulu allumer pour voir. Ça rend tellement bien le truc qui n'était pas prévu. Et bah, ça me donne pas mal d'idées. Qu'est-ce que c'est joli! Bon, ça y est, je crois que je suis au complet au niveau des petits éléments déco. Il n'y a plus qu'à tout mettre en place, tout installer. Dans un premier temps, je vais le redresser et puis un petit peu l'étoffer en le structurant. Allez, ça commence. Dis-moi que tu vas pas manger le sapin de Noël. Il m'a l'air pas mal, hein. Eh ben, c'est très joli, en fait. Ben oui, peut-être un petit peu pauvre, là. Faudrait que je densifie encore, mais... Ouais, c'est mieux qu'au début, hein. Je vais commencer par mettre, je pense, la petite guirlande lumineuse. Alors, une fois que j'ai mis tous mes petits éclairages, je vous montre. C'est du ruban, comme ça, qui ressemble bien sûr aux habits du Père Noël. Et du ruban... Comme ça, je vais couper et je vais faire de façon harmonieuse plein de petits nœuds un peu partout. Et là, je sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie de tester. Ah, j'avais oublié celle-ci, la petite guirlande. Bah, ça pourra le faire, mais le problème c'est parce que si c'est blanc, ça va pas le faire du tout. Je vais faire le tri hein, de ce que je vais pouvoir utiliser en fonction des couleurs. Non,
J'ai pas terminé. Mais enfin, c'est pas la peine de donner des coups de tête, hein. Franchement, il y en a partout, c'est le bazar. Et regardez ce que je trouve dans le placard. C'est pas moi qui ai acheté ça, je comprends pas. Comment tu veux que je résiste à ça? En plus, il est 3h30, j'ai faim. Voilà, bon, bah, je vais manger ça. Sinon, j'avais complètement oublié que ça prenait autant de temps de décorer un sapin. C'est fatigant, quand même. Sinon, je trouve que le résultat est plutôt très sympa. J'ai hâte de vous montrer, il y a d'autres petits coins que j'ai décorés à côté du sapin pour faire une petite ambiance générale. C'est plutôt cool. Je vais sortir, je vais prendre l'air, tout simplement. Parce qu'encore une fois, j'en ai besoin. Une chose importante que je dois faire, bien sûr, après, c'est continuer mon calendrier de l'Avent, parce que mine de rien, nous sommes le 26, il reste peu de jours avant que je l'offre. Les cadeaux, je les ai quasiment tous, mais ça prend du temps de les emballer, d'écrire les petits indices. Peut-être que je vais continuer ce soir. Ouais, ce serait même très bien. 4h15, Jack est affamé. Alors je vous explique, il est 17h, il fait très sombre. J'ai décidé de vous montrer la déco de mon sapin, maintenant. Oh, il gâche tout aussi, alors que je vais donner ses croquettes. Donc j'ai enlevé tout ce qui était noix de coco, très tropical, donc qui n'était pas dans le thème, hein, je le remettrai juste après. Les fêtes, c'est super joli, donc j'ai mis des petites LED, hein, bien sûr, le petit renne. Et le sapin, qui est tout mimi. Voilà, donc on a plein de petits éléments décoratifs. Et il rend plutôt pas mal, hein. Et voilà ce que ça donne en vue d'ensemble, bah, c'est ravissant. Même une balade qui dure que 20 minutes, ça fait du bien. J'adore venir me promener ici, surtout quand il fait 6 degrés dehors. D'ailleurs, il y a des belles photos à faire ici, hein. Le décor est plutôt cool. J'allais partir, oublier mon sac à main. Bravo! Que mes pas qui résonnent. C'est pas le titre d'une chanson, ça? Quand j'étais gamine, donc hier, hein, j'adorais regarder, je sais que ça se fait pas, mais j'adorais regarder chez les gens quand il y avait toutes ces lumières indirectes. Toujours faire une petite balade le soir. Ces portes quand même, près de chez moi, là aussi derrière, les feuillages. Il y a déjà eu un film qui a été tourné ici, Jeanne d'Arc, bah oui, c'est pas rien. Voilà, tout s'explique. C'est juste magnifique. C'est un très très bel endroit. Je viens de rentrer et bah, Eric adore. Enfin, adore. Ça reste un mec. Hein. Mais ouais, il a trouvé que c'était très joli. J'ai remis mon petit renne, que j'adore, sur son petit rondin de bois. Trop mignon. Et je trouve le luminaire finalement super bien là-bas. En ayant même décalé le canapé, ça rend très très bien. Bon, comme d'hab, je fais mon infusion et je monte faire m'avancer pour le calendrier de l'Avent. Mais vous m'avez pas dit, j'ai oublié de mettre la petite boule nounours avec son gros bidou. Je remontre, ça va être top. Et ben voilà, elle a trouvé sa place. J'en suis au 11, donc c'est plutôt pas mal et je continuerai demain. Ce soir, je vais me faire ça, moi, j'ai envie. Galette, pignon, épinard avec un œuf, voire deux, on verra. Et en entrée, bah, en ce moment, j'ai envie de me faire des soupes. Je sais pas ce qu'elle vaut, celle-là, j'ai jamais goûté. Poireaux pommes de terre. Et comme j'ai mangé pas mal de petits cœurs en chocolat, vous avouerez que j'ai pas super faim. Bon, bah, c'est parti pour mon petit film de Noël. Je sais pas ce que ça vaut, mais on y va. T'es content, bébé, de regarder le film de Noël avec maman? Oui? Ça y est, j'ai terminé de regarder le petit film de Noël du soir, enfin de ce soir. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien, tout simplement, que celui que j'ai vu la dernière fois. Ça reste quand même correct. Hein. Sinon, je me suis frotté les yeux. J'ai l'impression que j'ai du noir partout. Ce vlog, il n'y aura
pas eu énormément de prix, j'ai l'impression, mais il m'a pris tellement de temps, ce sapin de Noël, à faire, que très vite, il a fait nuit. Bon, bref, c'est pas grave. Je voulais en profiter quand même pour vous remercier. On a passé la barre des 9000. Et c'est grâce à vous. Vous êtes vraiment hyper nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires. Ça fait chaud au cœur. Ça m'encourage vraiment à continuer, tout simplement. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau vlog. Salut!